Je vous en supplie. Vous devez prendre soin de ce qui se passe. C'est pour cela que ce matin, Dieu m'envoie te dire, viens décharger tes fardeaux auprès de lui. Viens décharger tes fardeaux auprès de lui. Papa, elle est dit donc. Notre père est fatigué de malade. Il a déchargé pour nous ce matin. Pourquoi toi tu ne peux pas décharger pour toi? Amen. Amen. Tu dois décharger tes fardeaux. Et quand tu le décharges, le Créateur, celui qui œuvre, va œuvrer dans ta vie. Matthieu 11, verset 28. Venez savoir pour tout ce qui paye et fatigué. Matthieu 11, le verset 28 dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés. Et bien, mais on est fatigué. Tu sais très bien que tu es fatigué. Et bien, mais va. C'est pour ça qu'il t'a peur de venir. Ce n'est pas toi, mais tu es là. C'est lui qui t'a demandé de venir. Ce qu'on te dit de venir, c'est qu'il t'a appelé pour une cause. Ou bien ce n'est pas ça. Si Père te dit aujourd'hui de venir, il t'appelle pour quelque chose. Il a vu quelque chose. Il va prier pour toi avant que tu ne partes. Ce matin, Jésus-Christ te dit de venir. Il sait très bien que tu es fatigué. Il sait très bien que tu es dépassé par le problème. Il te demande de venir. Qui va faire dans la famille? Il ne veut pas que tu te surcharges avec ces choses. Et tu as toujours des larmes. Laisse ça à lui, amen. C'est son travail, il veut le faire pour toi. Il dit que si tu le confies ces choses, il va te donner du repos. Amen. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas le faire toi-même. C'est lui qui peut le faire pour toi. C'est pour cela que si tu t'accroches à lui, il va lui. Ça va tomber. Mais quand tu le confies à lui, il va le prendre. Amen. Ce matin, je prie pour toi que tu déchargeras. Si la maladie est là, dépose-le auprès de lui. Si la stérilité, dépose ça auprès de lui. Si la pauvreté, le manquement, le travail, dépose ça auprès de lui. Qu'est-ce qui te dépasse? Dépose ça auprès de Dieu. Alléluia. Amen. Son nom. Dépose ça auprès de Dieu. Ne sois pas dans la crainte. Ne n'aie pas peur. Dépose ça auprès de Dieu. Amen. 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 Les premiers soirs, il m'a fait ça. Nous a fait un témoignage tout à l'heure. Et ma femme me disait, vous savez que lorsque je venais ici à l'église, et lorsque je n'ai pas d'argent, c'est le premier ministre qui me donne de l'argent pour prendre la moto et rentrer chez moi. Mais le premier ministre nous a dit tout à l'heure que, qu'il a toujours des pannes. Amen, alléluia. Amen. Mais quelqu'un d'autre a témoigné sur sa vie que c'est lui qui lui donne de la foi. Acclame le Seigneur Jésus. Ça doit être ainsi, ça doit être ainsi. L'homme de Dieu a déposé ses problèmes devant Dieu. C'est pour cela qu'il est là aujourd'hui. Dépose tes fardeaux auprès de Dieu, il va y voir. À la fin de ce culte, je ne veux pas que ce qui se passe et que tu retournes avec ça, dépose en bras de Dieu. Amen. Et je sais toi, tu dis que je vais. Je te donne du repos. Amen. Amen. Tu dois te décharger. Alléluia. Amen. Mais le coucou, je t'en supplie. Avant que je ne revienne là, la pharmacie. Non, viens, il m'a jamais appelé.
Lorsqu'il m'a appelé, numéro, il cherche le numéro, j'ai dit que non, ce numéro, je ne le connais pas. Et si je vais parler à ma tante, à non, c'est donc, la écoutez-moi, écoutez, très bien. Et c'est pour ça que je dis, décharge tes fardeaux auprès de Dieu. Amen, alléluia. Amen. Kéyoma. Lorsqu'il m'a appelé, et donc, c'est... il m'a posé la question de savoir, Nabakoma. Tu vas revenir, et comme il prend une bonne maison. Parce qu'il a su que tu étais là la fois passée. Même le mois de mai. Allô? Le mois de mai, j'étais parmi vous, n'est-ce pas? J'ai dit oui, je vais descendre. Mais comment? J'ai dit, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce que tu me poses ce genre de questions? S'il vous plaît. Il me dit que tu es un ancien, donc serre les reins correctement avant de venir. Ça veut dire quoi? Il dit que c'est ça. Je lui dis, qu'est-ce que ça veut dire? Il dit que c'est ce qu'il veut dire. Amen, alléluia. Amen. Écoute-moi, mon frère. J'ai appelé ma femme. Voici ce qu'on m'a dit. Et j'ai dit, ma femme a dit, il doit t'expliquer ce qu'il veut dire par là. J'ai appelé ma soeur. Voici ce qui s'est passé. Et c'est la personne qui a prononcé la phrase, c'est son petit frère. Il m'a demandé, qu'est-ce que ça veut dire? Il doit expliquer ce qu'il veut dire par là. Amen, alléluia. Amen. Nyawa. En vérité, je l'ai appelé. J'étais au boulot, je l'ai appelé. Tu m'as dit quelque chose tout à l'heure, ça ne m'a pas. Tu as rêvé. Pourquoi est-ce que tu as dit ça? Explique-moi. Il dit que tu es un homme de Dieu, c'est pour cela que je te parle ainsi. Est-ce qu'il y a quelque chose? Vous avez appris quelque chose? Il me dit. Et pourquoi est-ce que j'ai vu que ta soeur qui est ici, qu'il est allumé. J'ai demandé d'après. Que bien t'aille. Lorsque j'ai demandé d'après chez toi auprès de lui, et ton est bien, il m'a dit que il le voici. Mais lorsqu'il va me regarder, et il dit qu'il m'a vu en train de boire jusqu'à ce que je devienne ivre, un homme insensé. Et je disais, le pasteur Momo n'a jamais pris d'alcool là. Qu'est-ce qui se passe? Et que ma soeur lui disait, c'est comme ça qu'il est devenu. Acclame le Seigneur Jésus. J'ai dit, c'est ça seulement l'affaire. Il a répondu lui. J'ai dit, ok. Que Dieu te bénisse. Ok. Ça ne m'a pas fait peur, mais j'ai dit que c'est Dieu qui est Dieu. Il dit que ma soeur lui disait que je vais faire sortir des gens de notre maison lorsque je suis descendu là. En vérité, je vais faire sortir des gens de la maison, mais personne ne le sait. Amen, alléluia. Amen. Et j'ai compris que c'est Dieu qui a parlé. Mais je me suis dit en même temps, si vraiment c'est Dieu qui a parlé ainsi, il faut que je fasse quelque chose. En ce moment, mon père était malade. Si j'apprends ce genre de choses, je dois l'appeler. Et lorsque je l'ai appelé, j'ai entendu souvent en même temps. J'ai dit, où tu vas? Elle est tournée. Il me dit que je suis un peu malade. Je n'ai rien dit. Je suis rentré en moi-même. Si tu étais passé par des problèmes, dépose ça auprès de Dieu. Je ne vais plus changer mon programme. J'ai dit, je vais descendre. Nyawa. En vérité. Un de nos frères qui est descendu de l'Amérique, il m'a appelé.
prophète, tu m'y as boya. Il dit, prophète, notre tour. Il va falloir qu'on soit en présence de Dieu. Et non, mais il touche au vivant. Acclame le Seigneur Jésus. Amen, alléluia. Amen. Et ça, il est là. Voici ce genre de compagnie qu'on devrait faire. Mais bon, 2019, mais bon, on était revenu en 2019, mais on n'a pas le temps d'arrêter de prier. Et ça veut dire que c'est pour moi que Dieu a encore parlé. Je suis rentré dans ma chambre. Le lendemain, j'ai appelé ma femme. Je vais prier pendant 12 jours, 1 heure le matin, 1 heure le soir. Et je vais écouter ce que Dieu veut dire. Amen, alléluia. Amen. Amen, alléluia. Amen, alléluia. Amen, alléluia. Amen, alléluia. Mon frère, ma soeur, dépose tes fardeaux auprès de lui. C'est lui qui va le faire. Et si, ce que j'ai dit, Dieu, voici ce que tu as donné comme révélation. Agir. Et lorsque j'ai commencé la prière, la nuit, cette même nuit, on m'a révélé une femme. J'avais vu cette femme en rêve, ça fait 25 ans. En rêve, lorsque je l'ai vue, on voulait décapiter. Qu'il a commis une faute grave. Et je disais au Père, pourquoi est-ce que vous m'avez appelé d'ordonner pour qu'on le décapite là? Vous n'allez pas le tuer. Amen, alléluia. Amen. Amen, alléluia. Amen. On m'a révélé cette femme en rêve. Et lorsqu'on m'a révélé la femme, ce que la femme a fait, la femme a demandé de venir. Et donc, on m'a révélé. Voici ces gens de personnes, ils veulent te dire, si tu manges ça, tu vas mourir. J'ai dit, Regardez, 5 ans, ce qu'on me demande d'ordonner à une femme de qu'on les décapite, j'ai demandé qu'on ne voit pas le tuer. Cette personne est en train de comprendre pour moi pourquoi est-ce que vous voulez le tuer. Amen. Amen. Écoutez-moi très bien. C'est pour cela que si notre Père nous dit ces choses, on doit le faire. Ton âme ne va pas avoir arrêté, nous ils vont te chasser précipitamment dans ce monde-là. C'est pour cela que si les problèmes arrivent, confie ça à Dieu. Il va le faire dans ta vie. Amen. 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 Père nous dit, qui ne va plus mettre pied à Abraham. Et si tu entres, si tu vas à Abraham, tu vas faire des accidents. Tu vas mourir. Il est quoi? Vous voyez? J'ai dit à papa que je ne vais plus rentrer à Blagame. Je vais venir ici. Et tu as ce n'est pas si à papa mais pour moi les audiences, ce n'est pas une fierté pour lui, non. Il aide les gens avec ça. Donc, on doit l'aider vite pour terminer la construction. Amen. Pour que les gens viennent ici. Abraham ne nous appartient plus. Ici, c'est pour nous. Amen. Amen. Il dit merci à toute personne. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je vais prophétiser sur votre Jean 17, verset 9. Jean 17, verset 9.